Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Morrowind. Donc je suis actuellement réfugié dans une grotte pour éviter un petit peu le mauvais temps et surtout le bruit du vent pendant que je suis en train de parler. On a découvert dans le dernier épisode, du coup, tout un mystère englobant l'aérostat Dwemer. Et donc cet aérostat Dwemer, du coup, ça me rappelle que j'avais récupéré les plans d'un aérostat quelque part vers ici, là voilà, plan d'aérostat Dwemer qui visiblement est parti d'Aldrune pour arriver donc en Solsdame et visiblement s'est écrasé. Ils ont perdu quelqu'un en cours de route, hein, voilà, en fait ils l'ont balancé par-dessus bord parce qu'ils cherchaient à faire s'écraser tout le monde. Et visiblement son corps se serait écrasé au sud-est de l'île, alors qu'à la base ils voulaient juste le jeter à la mer. Donc ça serait intéressant d'aller voir si effectivement le corps y est bien, juste histoire de. Après je pense pas que ça permette de trouver quoi que ce soit, mais voilà, je pense que ça serait quand même une bonne chose d'aller voir. Par contre, juste je vérifie quelque chose. Oui, j'avais bien récupéré la lance, hein. D'ailleurs au niveau du proche, je suis un peu blindé, il y aura quelques petits trucs à aller poser je pense, une fois la baraque. Hop. Et dans mon journal, voilà, donc le journal de l'aérostat Dwemer, patati patata. Oh, ah mais attendez, je dois ramener le journal à l'homme qui a financé l'expédition, un certain Louis Beauchamp, de la guilde des mages d'Elrune sur Vardenfell. Ah! Intéressant! Ah, oui, c'est vrai. Attendez, alors on va faire un truc. Récupération totale. Voilà. Et on va attendre... D'accord, il y a des ennemis à proximité, donc je suppose que c'est là. Voilà. On va se remettre ici. Voilà. Merde. Et on va attendre un peu pour que le temps se calme. Parce qu'honnêtement, c'est insupportable. Voilà. Donc il fait nuit, mais bon. Pas grave. Donc, le plan d'aérostat. Ah oui, ce que je voulais vérifier aussi, c'est qu'il s'agit d'une... Apparemment, ils allaient visiter un tertre qui serait au centre d'un... Allez, c'est là-bas. Qui serait au centre de ce qu'ils appellent du coup l'œil du loup. Donc ça m'intrigue un peu. Je demande quand même à aller voir. Pour checker s'il n'y a pas des choses intéressantes. Donc là, vu que il allait dans cette direction-là, si je me mets là d'ailleurs, et que je regarde par là, effectivement il vient du sud-est. Donc il faudra qu'on aille fouiller dans cette zone-là. Là. Pour voir si effectivement on y trouve le cadavre. Mais surtout on va aller dans cette zone-là. Juste là. Attends, on va se mettre au bout du... De l'avant du navire, j'ai oublié comment on dit, je sais plus, hop, voilà. Et visiblement, il faut aller vers là, donc c'est la direction qu'il semblait prendre. On va voir si on distingue quelque chose d'entrée d'un tertre ou autre. Après, ça m'embête parce qu'il fait un peu nuit. Comment on peut distinguer un truc là-dedans, là ? En plus, je suis en pleine nuit. C'est marrant, ça fait... Ça fait le crâne d'un ours. Regardez. Ah bah super, la neige s'est arrêtée. Merci beaucoup. Là-bas, ça fait la forme de la tête d'un ours. Ou un loup. Oh, attendez. Il y a un truc sombre là. Oui, il y a un truc là. On dirait une tenture. C'est marron. Ah, et un loup surtout. Merde. Oh, si c'est ça, ça serait trop fun. Ah oui, mais ce palais-là, il me rappelle de très lointains souvenirs. Bon, on va forcément y venir, je pense. C'est ça. Il y a une entrée, ici. Bon, mais ça va nous faire de la peau supplémentaire. Alors, fourrure de loup des neiges. Cool. Voilà. Ben voilà, terre de Rotmund. Allez, c'est parti, je sauvegarde. Crinière de lune et temps de nuit étoilée, fléau de Rotmund, ainsi certains m'ont nommé. Je suis le loup qu'une âme peut dompter en énonçant le nom qui m'a été donné. Point de mensonge, il me faut la vérité. Et mes richesses cachées, vous gagnerez. Une mauvaise réponse et pour l'éternité, ma porte de glace sera scellée. Quel est mon nom ? Quel est mon nom ? Who's that Pokémon ? Pikachu ! Non, bon, heureusement que j'ai sauvegardé du coup. Bon, après, de toute façon, je sauvegarde tout le temps, mais au moins, si je me plante, bah, je pourrais recommencer. Alors,
D'Iris Blood, Razen Dande, on dirait un nom peu japonais, Ondage, Ondage, Idvid Dom. De rien dire et reculer. J'hésite entre ces deux-là. Bon, de toute façon, comme j'ai sauvegardé, on va dire Ondage. Vous avez bien parlé, ah, cool. Gagné, car Ondjag est le nom qui m'a été Ondjag. Donné. Vous avez gagné l'accès au tertre de Rotmoon. Bon bah cool, hein. Bon bah tu m'excuses, je rentre, hein. Top. Bon, je sais pas, je pense pas que ça nous donnera accès à quelque chose de dingue. Oh putain. En tout cas, ça a l'air bien gardé. J'ai espéré pendant un instant qu'il avait du stuff sur lui, mais j'ai oublié que c'était rarement le cas avec eux. On a des cadavres. Ah, on a du Stalarim, que je vais prendre d'ailleurs. On a un coffre en bois. Oh, 300 pièces d'or et une épée longue en argent. On va juste prendre les 300 pièces d'or. Ça rembourse un peu les frais de voyage. Et on a quoi d'autre sinon? Oh, cool, une épée, une hache. Ben. Bon, visiblement, on peut pas la prendre. C'est quoi ça? Amulette du charme contagieux. Déclenchement sur décision, fortifié personnalité 30 points, 30 secondes perso. Vulnérabilité aux maladies communes 30%, 30 secondes perso. Atténuation de fatigue 30 points, 30 secondes perso. Bon, bah visiblement on peut pas prendre la hache. Par contre, je sais pas, j'espère qu'on pourra quand même la récupérer un moment. Bon. On a récupéré cette amulette là, visiblement ça a rien mis à jour niveau quête. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on se téléporte à Balmora, on aille à Aldrune pour aller voir Beauchamp et lui rendre la quête. Et ensuite une fois que on sera revenu à... En plus ça tombe bien parce qu'Aldrune c'est sur le trajet de Kul. Donc une fois à Kul on ira à Formolaine, et à Formolaine on ira visiter parce qu'il est là. On ira visiter cette partie là pour voir si effectivement on trouve le macabé du Khajiit qui avait été jeté par dessus bord. Non pas un Khajiit, un Argonien si je me rappelle bien. Bon allez, de toute façon on va pas perdre de temps avec lui. Il est en train de péter un plomb dans son coin. On va prendre l'amulette de rappel. Voilà. Et on va en profiter pour poser des choses ici. Parce que j'ai récupéré quelques items très sympatoches la dernière fois. Il y en a partout, j'en mets par terre maintenant, c'est ridicule. Dague de venin sauvage qu'on pourra vendre d'ailleurs. Lance du prince des neiges, ça c'est sympa. Le Sangskal. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette épée me dit quelque chose, on aura besoin à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on va laisser ça là. Et là, ah oui, c'est vrai que j'ai des pièces d'armure aussi. J'ai posé des trucs de partout. Là, on va la prendre celle-là, on va aller se mettre ici. Et on va poser toutes les pièces d'armure des glaces. Accessoirement, on va peut-être se réparer aussi, non? Là j'ai tout posé. Ah non, il y a un casque aussi à poser. Un casque d'ours de machin bidule. L'odorat de l'ours, voilà. Et un autre casque de crabe royal. Hop, voilà. Bon, je suis un peu descendu. Ça a pas l'air d'être suffisant encore. On va utiliser un marteau par contre. Il y a ça aussi que j'ai posé, la gemme spirituelle. C'est là-dedans normalement. Ouais, voilà. L'objet ne rentre pas. Non mais oh. Ben là-dedans il va rentrer j'espère. Voilà, merci. Et du coup on va prendre le marteau. Déjà celui-là, tiens. Voilà. Et ensuite on va continuer à utiliser le marteau de compagnon pour réparer le reste. Super. Et puis j'ai libéré effectivement un peu de poids. Et ça répare mes armures, je suis à 225 d'armure. On a du Stalarim brut encore ici. De la fourrure. Du Stalarim brut là qu'on pourra aller du coup donner pour fabriquer notre pièce d'armure. Donc pour l'instant j'ai le casque, la cuirasse et les deux épauliards. Donc il va falloir les jambières, les bottes. Il va falloir me récupérer d'autres parties de Stalarim. Donc on a dit direction Aldrune. Bonjour! Et on va aller à la guilde des mages. Hop là. Je regarde. Ah. Et la guilde des mages, elle est là.
N'êtes-vous pas capable de poser une question rapidement? Bah c'est lui. Bonjour. Oh, bonjour, salut, content de vous rencontrer, Terval. Pendant un instant, j'ai pensé que vous étiez le messager avec un message. Enfin, des nouvelles de mon aérostat. Je ne suis pas messager, monsieur Beauchamp, mais je pense que je sais ce qui est arrivé à votre aérostat. J'ai trouvé le lieu où il s'est écrasé sur Solsdem ainsi que le journal du capitaine. L'aérostat s'est écrasé? Oh non, quelle perte de temps et d'argent. Hein? Ah oui, et des vies humaines aussi. Quel crevard. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir relié cette information, mais il y a encore cette histoire d'amulette. Une amulette de charme contagieux. C'est ça que l'équipage cherchait. Ah, donc c'est pas la hache. C'est pas le... Oui, c'est pas la hache. Je paierai. Elle se trouve au tertre de Hortmund, mais vous devez prononcer le bon nom. C'est Ondjaji. Si vous ne vous trompez, le tertre sera fermé pour toujours. Oh, heureusement que j'ai réussi à le trouver. Hein. Et donc, du coup, l'amulette... Bah, je l'ai, l'amulette. Bon. Ah, bah d'accord, fallait lui reparler. Terval, vous êtes d'ici, en fait. Je veux dire, vous êtes de retour. Quelles sont les nouvelles? Ah oui, parce que du coup, fallait que... J'aille voir pour trouver l'aérostat, ensuite que je revienne lui faire un message, et qu'ensuite, du coup, il était censé me donner l'information pour l'amulette, que je retourne voir pour l'amulette, et que je revienne le voir. Avez-vous retour... Enfin, avez-vous l'amulette de charme contagieux? Bah, tenez. Donc, il me donne 2000 pièces d'or, quand même. Vous avez retrouvé l'amulette. Vous êtes vraiment... Vous avez vraiment retrouvé l'amulette de charme contagieux, et vous ne l'avez ramenée. Oh, c'est merveilleux, Terval. Vous en serez reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Tenez, s'il vous plaît, prenez cet or, c'est la moindre des choses. Donc du coup, il m'a enlevé l'amulette, il m'a donné 1500 d'or et mon journal a été mis à jour deux fois. Et ce monsieur-là m'apprécie énormément. Et ça, c'est cool. Ben, merci à toi. 2000 pièces d'or dans la poche, ça fait toujours plaisir. On remonte petit à petit sans faire d'efforts, ça c'est cool. Enfin, sans faire d'efforts. Sans pratiquement faire d'efforts. Et que me dit le journal? C'est tout. Ouais, juste que mon travail est terminé. Ok, donc maintenant... On retourne à Kul, de Kul à Formolen, et ensuite, une fois à Formolen, on va aller visiter les alentours pour voir si on y trouve le cadavre de l'Argonien, je crois. Nous faisons le trajet juste pour vous. Et le... Ça fait bizarre parce que je sens que les choses avancent. Bon, l'aventure n'est pas terminée, je le sais, mais je sens bien que les choses avancent par rapport au let's play de Morrowind. Et dans pas si longtemps que ça, on va arriver au jour fatidique où ce sera la fin, tout simplement. Et ça m'attriste. Bon, on va passer par là. C'est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça m'attriste, parce que Morrowind... En fait, c'est bien simple. Morrowind est beaucoup plus facile... Enfin, pas beaucoup plus facile, non, pas du tout. J'ai oublié ce que j'ai dit. Ah, il y a un tertre ici aussi. En fait, ça me donne trop envie d'explorer les tertres, mais... Je vais pas te déconner, en fait, en mode... Je me retrouve surchargé. Ah, il y en a encore un autre ici, voyons. En fait, c'est que Morrowind me fait beaucoup plus voyager. Voilà, me fait voyager beaucoup plus facilement que... Que Oblivion. Skyrim me fera voyager, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais il y a ce petit charme qui se dégage de ce jeu là que je n'aurais pas du coup avec. Enfin, que je n'ai pas eu avec Oblivion et que je n'aurais pas du coup avec Skyrim. Même si après, je suis honnête, Skyrim est le jeu que j'ai le plus pensé des trois parce que Morrowind j'étais beaucoup trop jeune pour m'y investir à fond. Donc j'explorais, je découvrais, je. Voilà, c'est géré un peu dans le jeu. Oblivion, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais pareil, je veux dire. J'ai tronçonné un peu les quêtes et puis voilà, après je suis passé vite fait, on va tricher un peu à droite à gauche, patati patata. Tu me laisses tranquille toi, surtout tu vas arriver encore deux fois. Oh ma Lamborghini. L'esprit gagne quand elle meurt. Ça fait la même voix que le pote à Théo Babac dans la vidéo quand il s'en va, il fait « Oh, ma Lamborghini !» Avec le moteur qui démarre. Je sais pas ceux qui connaissent Théo Babac, mais... J'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça. En particulier avec la vidéo où il fait l'appel et qu'il y a un camion dans la liste et qu'il fait le bruit du camion. Et ça m'avait juste mais tué mais à un point.
Mais celui-là, on est un peu du sud-est là, non? Enfin, on y est toujours, mais ça me paraît un peu loin. On va continuer à regarder, hein. Et du coup, la nuance dans la phrase, enfin dans le cri du Spriggan, ça me fait trop penser à ça. La Lamborghini, hop, la moteur qui démarre. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, c'est hyper con, il n'y a aucune logique. Et le problème, c'est que c'est tellement hyper con, il n'y a tellement aucune logique que ça en devient épique dans le sens où bah, il y a des trucs cultes systématiquement, quoi. Le bordel, mais il s'est écrasé où ce con là? Ah, mais il est là! Nage dans la houle. Donc, effectivement, on est bien au sud-est. Ce qui veut dire qu'au niveau trajet, elle fait. Ouais, en fait, on est plus sur la ligne droite pratiquement. Ouais, c'est ça. Et du coup, il a quoi sur lui? Bon. Absolument rien d'intéressant, il y avait même pas un truc genre qui s'active en mode oui vous avez résolu la quête du cadavre perdu, même pas. C'est décevant. Bon bah écoutez, on va aller voir un des tertres qu'il y avait à côté là que j'ai croisé. Et on va le visiter histoire d'en retirer ses richesses. Là c'en est un je crois, non? Ah non. Ah là-bas par contre, c'en est un. Ouais. Je suis bloqué dans le rocher. Je suis bloqué dans la plante, la blague. Ouh. Ah ouais, le comité d'accueil dès le départ là. Ah oui, c'est ma hache. Ouais, c'est ma hache, c'est ma pioche nordique. Oh, un coffre fermé à 20. Il va y avoir encore des coffres de partout, ça va vite être embêtant. Aïe, putain, il est arrivé derrière, je croyais qu'il était encore plus loin. Bon, ça sert pas à grand chose de les fouiller, hein. Il y en a partout. Il y en a moins de deux autres encore. Bon, c'est fini. Donc on a encore du Stalrim et on a plein de coffres. Donc on a des coffres fermés à 20, 55, 65 et 50. Bah écoutez, celui-là déjà. On va prendre le toucher, le gardien ancestral. On va se mettre là. Non, c'est pas gardien ancestral, c'était clé de la tour. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on va même faire une recul totale au passage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Casque du diable. On va le prendre. Oh, attendez, fait quoi? Réflexion 20-30 secondes, 10% perso, gant lié. On va le prendre, hein, juste histoire d'aller revendre. Un arc court, on s'en fout. Épée de plein de sauvages, on s'en fout. Amulette des reflets. Non, la potion, je la prends. Ça, on va le boire. Hein. Voilà. Une hallebarde de choc mordant. Une hache. Ok, donc rien de fou, mis à part le casque qui est sympathique, mais voilà. Ensuite, on a un coffre fermé à 20. Celui-là, on va prendre un crochet. Je vais pas utiliser mon sort. En plus, il est pas piégé, donc tant mieux. Parfait. Oh, une dague de venin sauvage encore. Hache de guerre des blessures. Pas utile de la prendre. La lance diabolique non plus. Anneau de boule de foudre non plus. Des potions de soins de santé standard. On a du coutil ici et des plumes de feu de yo. Et du dard. Ok, bon, rien de fou supplémentaire derrière. Là, on a un coffre fermé à 55. Ben, ça, il va falloir que j'utilise un parchemin, je pense. Là, 65 aussi, sans doute. Et il y avait des coffres à l'entrée. Là. Coffre fermé à 20. Alors. Robe d'avaleur de feu que j'avais déjà. Une arbalète Dwemer. Ok. Des potions de soins de santé standard. Je vais les prendre au cas où. Hein. Mais sinon, le reste, c'est pas utile pour l'instant. Ah, il me semblait qu'il y avait un coffre. Ah, si, il était là. Et là, on a des flèches de partout. Une amulette ostentatoire. Une potion de santé. Ok. Donc, on a là-bas deux coffres qu'il faudrait que j'ouvre. Lui est déverrouillé, c'est bon. Lui pareil, donc il y a celui-là. Et là pour ça je crois que je vais utiliser des parchemins. Parce que je crois que j'ai des parchemins.
Brise dans des caches, non. Donc brise gonde d'onde d'Uzi. On va voir si ça fonctionne. On va sauvegarder. Et c'est quoi? C'est à distance ou c'est au contact? Contact. Ça a pas marché. Charger. Ça a pas marché. Charger. Et si j'essaie de d'ouvrir? Non, parce que je rigole, mais ça se trouve peut-être que je pourrais ouvrir. Hein. Bon, ils me disent pas que la serrure est trop compliquée pour moi, donc c'est déjà une bonne chose. On va partir sur des serrures d'apprenti. On va tenter, hein. Je suis à combien en sécurité par contre? Que je rigole un peu. Je suis à 27, la blague. Ce serait un miracle que j'arrive à l'ouvrir. Ça m'énerve. Là j'ai des crochets de maître et de grand maître. Oh bah oui, ça marche mieux d'un coup. Qu'est-ce qu'on a là? Shuriken de feu mordant, une terrible blablabla. Anneau de blessure et de l'or. Je vais prendre juste la pièce d'or, le reste on s'en fout. Et là-bas du coup, 65, eh ben. Effectivement, ça marche un peu plus vite. Un tanto diabolique, on s'en fout. Un dard, tatata. Anneau des ancêtres, on s'en fout. Et une potion de soins de santé de qualité. C'est tout, voilà. Ça pour ça. Au moins, on a récupéré un autre morceau de Stalerim. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on va sortir d'ici et on va aller voir l'autre théâtre qu'il y avait un peu plus loin. Pas de tempête, pas de tempête. Ça va, merci. Il y avait un autre théâtre là-bas sur le trajet. Et je crois même qu'il y en avait un dans l'eau. Donc là, on a une rivière. Ah, voilà, il est là, le fameux théâtre. On va le poncer. Faut que j'augmente ma sécurité aussi. Un autre coffre fermé à 20. Un autre coffre. Il y a des coffres un peu partout là. 65, on ira au crochet. Bon, il n'y a pas de comité d'accueil? Ah si, je me disais. Je pensais qu'il y aurait, je sais pas moi, quelques squelettes, mais il n'y en a qu'un au final. Oh! Bah deux stalerim. Allez hop, je prends. Coffre piégé, fermé à 60. Ça à tout prendre. Ça, faut prendre aussi. Coffre 70. Oh, ça commence à être un peu plus standax là. Écoute, on va commencer par ce qu'il y a là-bas. On va y aller au crochet de grand maître. Sauf lui, on va y aller au crochet d'apprenti. C'est vrai, ah oui, merde. J'ai confondu. 65. Donc ça, c'est au crochet de grand maître. Et il y avait un crochet de. Un coffre, voilà, ici. Parfait, on a quoi? Un casque de diable céphalopode, absorption de sort, cuirasse liée, 1700, on prend. Un anneau d'épuisement, on s'en fout, un anneau d'ancêtre, on prend. Et une potion de santé standard, c'est pas forcément utile sur le moment. Ok, donc là on a deux coffres de malade. Sauvegarder. On va prendre les crochets correspondants, à savoir crochet de maître. J'ai pas mal de crochets de maître, ça c'est cool ça. C'est l'heure trop complexe, donc on va utiliser un crochet de grand maître alors peut-être. Même un crochet de grand maître, ça fait ça. Eh ben. Oh! Au dernier. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Deux potions de soins de qualité. Une épée de givrant vert. Yes, je la prends. Un anneau de plume de rosée. Plume 50 points du second perso. Je prends. Un katana, on s'en fout. Donc il y a celui-là. J'espère que les serrures vont pas me dire que. Enfin, j'espère que ça va pas me dire qu'avec le crochet de maître c'est trop complexe. Non, ça va, ça va.
Puis j'en ai un certain nombre, donc du coup ça devrait le faire. Parfait. Un autre crapaud bondissant. Lui, on va le prendre, juste parce qu'il permet de sauter plus haut. C'est fun. Arc long d'ossement, ok. Potion de soins de santé standard et bradé. Une lance diabolique, une masse d'armes de choc. Et ça, on s'en fout. Ok. Oh putain, une autre fusée refermée à 70. 60. On va prendre un autre crochet de maître. Parfait. Terrible épée de choc. Tac tac, on s'en fout. Bouclier des blessures. On s'en fout aussi. Et ça, on s'en fout. Ok. Et là, par contre, on va prendre la sonde d'apprenti qui est là. Parfait. En plus, ça m'a fait augmenter la sécurité, ce qui est nickel. On va reprendre un crochet d'apprenti. Parfait. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Deux marteaux, ça, je les prends. Anneau de plume. Bah, du coup, j'en ai trouvé un qui était sympa aussi dans notre pub, donc c'est pas... voilà. Anneau de Cali... Galigini. Ok, je pense que ça veut dire anneau de cécité, peut-être. Un marteau et une hache. Ok, rien de fou. Bah, entre lui, là-bas... M'intrigue. Alors, vous savez quoi? On va faire un truc. Je sauvegarde, voilà. On va prendre la fameuse clé. Et si c'est pas intéressant, on revient en arrière. On pourrait faire saut 40 points, ça serait marrant. Et effectivement, c'était nul de chez nul. Donc du coup, hop, charger, sauvegarde rapide. Oui, voilà, je suis désolé, mais au bout d'un moment, hein, faut pas abuser. Hein. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde, c'était Looping. Bye bye.